Nous voilà de retour les amis, après la petite vidéo où on avait vu pour la 1, enfin la 0.1.4.0. Là en l'occurrence je vois que j'ai un tombat, donc du coup j'essaie de le capturer, hein. Bien sûr. J'essaye. Voilà, ça, ça devrait être ok. Ce que je vais faire aussi en l'occurrence, mais là je vais pas le. Je vais pas vous le filmer. Je vais essayer d'aller recapturer les boss, histoire en fait, tout simplement, alors moi déjà de level up, mais pas que ça. C'est qu'en fait, si vous vous rappelez, il y a la petite statue et ça nous permet d'augmenter les statistiques. Et autant essayer d'augmenter les statistiques des boss. Le Tombat est en train de retourner les braconniers et ça, ça me plaît. Puisque, tout simplement, nous avons besoin de lui. Ah, c'est dommage. Hein. Parfait. C'est malheureusement un pal que nous disposons. Je suis un peu dégoûté. Et je crois que là maintenant, c'est à nous deux. Ouais, je peux. Voilà, hop, et. J'hésitais. J'ai dit, vas-y, je la tente. Et ça passe. Et. On est à 10. Extraction en plus, pas mauvais. Autant gratter un peu d'XP avec le pal qu'on va libérer, bien sûr. Ah bah même pas, ça ne donne pas d'XP, je suis un peu déçu. Ok, dès qu'une fois qu'on a terminé, c'est vraiment 0 XP quoi. Bon, c'est pas grave. Là du coup j'ai recapturé un petit boss, j'ai vu que ça pouvait donner, donc on va refaire la petite technique. Hein. J'ai pas la montrer en vidéo. Là je vais faire, si ça me permet de monter un niveau, ben voilà, je vous montrerai au leveling ce que j'aurais pris. Si c'est pas le cas, bah écoutez, je continuerai jusqu'à temps que je puisse terminer ça tranquillement. Voilà. Tout simplement, parce qu'en fait ici, voilà, c'est là où ça peut jouer avec les boss. Bon voilà, on a la première étoile. Là, il nous en faut quand même 16. Donc au moins, si par exemple je capture à chaque fois ce boss, si ça nous donne vraiment, comme je dis, énormément d'XP, hein, tant mieux. Et autant aller gratter jusque la quatrième étoile, hein. Bien sûr. Ça nous permet quand même de monter un petit peu statistiquement. Je vais mettre... Il faudrait que j'essaye de mettre un boss pâle, vous savez, en différé, enfin, en différé des... Genre, un peu comme ça. Parce que de toute façon, ce sera toujours les mêmes stats. Je vous ai dit, ce sera toujours les mêmes stats, ça c'est sûr. Mais ça nous... Ça pourrait nous faire une idée véritablement de des boss, vraiment de. Ben là, on voit qu'il y a quand même, c'est pas rien, mais pratiquement 40. Non, il y a même plus. Il y a 43 de défense. C'est quand même assez intéressant. L'attaque, c'est pareil, ça monte quand même. Et les points de vie, j'ai pas fait attention aux points de vie. Les points de vie également. Ah, ça fait quand même 10 000 points de vie. Vous voyez, en faisant ça, ben ça va nous permettre, certes peut-être sûrement d'augmenter notre niveau, mais en même temps de pouvoir découvrir ben, tout simplement des boss qui en somme seront plutôt intéressants. Je vais plutôt faire comme ça. J'aime bien, je trouve ça plus intéressant. Et du coup, ben, en les capturant, ça pourrait être cool. Hein. Et, par contre, ils ont vraiment le même nombre de points de vie. Ok. Donc voilà les amis, ça, pour moi ça va être ça, ça va être un petit peu, on va attaquer, on va faire, enfin je vais faire ça. Ok, bon, eux ils vont se faire retourner. Hein. Je vous le dis, dans peu de temps, c'est des petits levels donc, regardez, je vais même pas m'embêter. On va même pas les attendre, on va venir à leur rencontre. Voilà. Ah, ça n'a pas marché. On va aller à la rencontre, hein. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Hop. On va faire la dernière petite tornade là, et normalement... C'est du nettoyage. Voilà.
Et ça nous permet d'avoir quand même des bonnes petites choses. Hein. Et à force, bon. On a quand même de quoi faire. Médicaments en plus, hein, et des médicaments correctos, moi je ne dis pas non. Donc les amis, voilà. Moi c'est ce que je vais m'occuper. Je vais m'occuper de ça à Donf. J'aimerais aussi faire au moins un boss. Comme je l'ai dit, je pense qu'on va d'abord faire le boss et ensuite j'irai attaquer mes fameux boss que je souhaite faire. Histoire qu'on soit tranquille avec un petit peu de pex. Et en même temps, moi si ça peut me faire monter mes pales, bah écoutez, tant mieux. Mais ouais, ça va être un petit peu la mouise dans le sens où je commence à avoir un petit peu... Ah, quoique, ça va, normalement je devrais à peu près avoir une boîte. Ouais, ça peut être intéressant. Ouais, il faudrait peut-être que j'arrive à les décaler et... Au moins que je prépare une boîte assez tranquillement. Faire surtout attention à nos chanceux, bien sûr. Que ça, c'est un peu embêtant. Je pense que c'est ce qui me reste seulement en place. Il y a juste une petite place ici qu'on peut gratter. Voilà. Là, je peux pas faire plus. Du coup, on verra ce que ça va donner. Donc, les amis, on se retrouve au niveau du boss. Hein. Bah, tout quoi qu'on peut y aller classiquement. Je suis pas obligé de faire une ellipse. Ça peut aller assez vite. Si on trouve des pales sur la route, tant mieux. Sinon, tant pis. Enfin, que je vais dire pales, des pales intéressants. Hein. Pas juste des pales pour dire d'avoir des pales. Et d'ailleurs. Voilà, c'est ça que j'enlève. 2 temps 3, mouvement. Après les boss, hein, c'est pour le fun. Hein. Mais en même temps, si ça peut nous faire XP, tant mieux. Parce que j'avoue que c'est vraiment l'autre palier que je veux essayer de faire. Ah ici, on a peut-être un pâle... On n'en a pas encore. Oh, des Relaxorus. Oh bah non, bah on l'a déjà. Allez, salut. Hein. C'est pas que je t'aime pas. Mais j'ai pas trop envie. Ouf. Le nettoyage de Relaxorus. Du coup, il faut que je trouve le boss. Apparemment, on l'aurait croisé. Ou du moins, on l'aurait vu, mais... Je pense que c'est ici, en fait. Je me suis fait avoir. Ouais, parce que de temps en temps, vous êtes obligé de rentrer comme dans des grottes pour pouvoir aller affronter les ennemis. Et je pense que malheureusement, ben, ça va être le cas. Ah, quoique, est-ce que ça joint pas les deux? Non? Oui? Hein? Non, je ne pense pas, non. Je ne pense pas du tout. Et du coup, je me demande si je l'avais déjà croisé comme ça dans le... Pour le monde. Oh, il y a un Mamorest. T'inquiète pas, je vais t'aider. Bon, je vais te taper en même temps, mais je vais t'aider. Non, reviens. Oui, bien sûr. Toujours en profiter. Sinon c'est pas drôle. Ok, on commence à être pas mauvais. Ah je sais pas, peut-être. Ça passe, non? Oui.
Ah, ça veut pas, hein. Oh! Oh! Ouah, 0,14, c'est 100%, hein. Pas du tout. Eh, par contre, tranquille. Laisse-le tranquille. Eh, prends devant, s'il te plaît. Il veut pas, hein. J'y vais quand même à la giga, hein. Allez, s'il te plaît. Gentil. Non, bah, c'est la plus petite, hein, parce que là, ça commence à piquer, hein. Pourquoi elle veut pas? Allez. Allez. Un bon reste. Allez. Je veux pas, hein. Le problème, c'est que j'ai peur de le tuer, en fait. Ah oui, d'accord. Oh non, il était presque. S'il te plaît. Oh. Allez. Est-ce que c'est maintenant? Oh non. Mais il veut pas en plus rentrer dans les plus petites. Vraiment dégoûté. Tant pis. Voilà. Mais non, mais il veut pas, quoi. Moi, je peux pas utiliser que des bols et des bols et des bols, hein. Mais sphère, j'en ai besoin. Justement, surtout si je vais aller capturer le boss. On va essayer encore une fois, hein, mais ça ne veut pas. Pas grave, on l'aura un jour, on l'aura. Peut-être quand on sera à la terrasse faire. Après, il y a la sphère légendaire. Mais bon, la sphère légendaire... ça pour d'autres, hein. Pas déconner, quand même. Ah, mais c'était juste un peu au-dessus, non? C'est ça? Ben, non. Faut que je le trouve. J'aurais préféré que ce soit un donjon, hein. Vraiment. Il faut que je le trouve. Donc les amis, le temps que j'arrive à trouver le mob, ce qui veut dire c'est pas gagné. Une fois que j'aurai trouvé, ben... je pourrai enfin vous montrer, parce que là, sinon ça va être très long. D'ailleurs, on va pouvoir augmenter notre pouvoir de capture, la force de capture. Ah, moi j'aurais pensé que c'était là dans les alentours, mais... apparemment non, non, non. On essaie de visiter, hein, mais voilà, c'est lourd. Mais j'ai pas encore trouvé la zone, donc on se retrouve là-bas. Alors j'ai trouvé là une petite cascade. J'étais en train de me demander si c'était pas ici dans cette zone-ci, mais en fait non. Je pense que ce sera plutôt au niveau de la cascade, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle, on va dire. Bien sûr, on va garder notre petit Nightwing. Ben, ça me rappelle, étrangement, ben, le boss qu'on a là.
Brown Sherry Aqua. Bon, c'est exactement la même chose. Par contre, intéressante la zone. Ok. Ok, ça reste... Ouh. Alors, faut faire quand même un minimum attention, mais... Ok. Impeccable. Je peux quand même y calmer la fin. Attention derrière toi. Attention. Oh, l'esquive. Et malgré tout, 43 face 25. Ouais, faut faire gaffe. Hein. Allez. Dernière partie de tornade. Ok, on arrête. On va contrôler maintenant avec les tirs. On va dire qu'on fait à peu près 50. Dans le corps. 28. Ouais, il faut que je touche 3 fois dans le corps. Même pas. Voilà. Un tier shot. Et là. Là, on est au max. Là, on peut pas faire plus. À moins d'utiliser la pioche, sûrement. Mais bon. J'ai envie de dire bon courage. Allez. Je vais devoir utiliser la giga. La giga qui nous donne 33%. Qui fait pas beaucoup plus, apparemment. Ok, c'est bon là. Première défaite de boss, c'est parfait. Bah, écoutez, moi j'allais récupérer tout ça. On va voir le coffre, ça nous donne quoi? Pendant vie, ok. Pendant vie, pendant défense. Ça me paraît pas mal. Deux petits pendentifs de vie, voilà. Vu qu'on va forcément augmenter la santé, ça peut être cool. Bon bah une fois que j'aurai fini de récupérer un petit peu tout ce métal, et voilà, de faire... Donc le boss déjà c'est fait. Et ce que je voulais faire... Bien évidemment. C'était pas l'ultime ? Là on a tout hein. On a bien tout débloqué. Voilà. Donc celui-ci est pris, le sac de nourriture ultime. Ça va nous permettre du coup de découvrir un petit peu, mais sous un bon angle, à quoi ça va nous servir. Donc voilà les amis, on se retrouve à tout de suite pour la vidéo, pour continuer nos petites aventures. Donc là les amis, ce qu'il va y avoir, ça va être très simple, c'est je vais aller craft du coup une petite chose. C'est la construction de sphère, parce qu'il me semblait que c'était ça qu'il fallait entamer pour pouvoir terminer déjà le niveau. Ce sera pas final, mais ce sera déjà pas mal. Bon, même si... bon, ça... Ça nous permet d'aller un petit peu plus vite quand même. Au moins c'est une bonne chose, c'est fait, on est tranquille. Donc là, on peut améliorer la boîte à pales. Je vais récupérer les ressources parce que ça va me servir pour peut-être, je dis bien peut-être, ouais.
Normalement, en toute logique, il y a moyen de récupérer juste les ressources pour finir et faire... Ah, quoique. J'aurais peut-être déjà... La source chaude, il me manque du ciment. Donc le ciment, ben, bonne chance. Un peu au-dessus. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah bah. x10, c'est ça? Très bien. Y'a personne qui va venir m'aider là, par contre, c'est ça? Je me fais avoir, quoi. Je vais aller chercher les pales. Non mais. Ils sont où? Où qu'ils sont? C'est surtout qu'il y en a un qui va être intéressant puisqu'il veut y aller assez vite pour craft. Utile. Où est-il? Bon. C'est pas grave. Ici. Viens avec moi. Voilà. Allez, on y va. On va faire ce ciment, on va finir avec la source. Et normalement... C'est le niveau max, on aura terminé du coup une petite chose. Pas tout, mais une petite chose. Il nous manque juste de la pierre. De la pierre, je vais la casser. Ça, c'est pas un problème. Il y a des petits coins par-ci par-là avec de la pierre, comme ici. Donc, il y a très peu. Un petit coup de pioche, on n'en parle plus. Pas de petit coup de pioche, si. Et même dans le doute, j'en mets deux. Voilà. Et là, on va pouvoir faire la source chaude. Et ça va être intéressant. Parce que là, on aura tout débloqué. On pourra faire un troisième camp. Bon, j'irai voir pour essayer d'avoir un petit camp avec du métal. Into des... aussi faire de l'autosuffisance et ça va être avec les petites tortues que j'aime bien utiliser là, ça pourrait être cool. Allez, allez. Eh, ils vont être contents là. Je sais pas où est parti encore mon pal de feu. Et alors, hop, niveau 5. Voilà, il nous en faudra 19. Pourtant, je l'avais pas changé, il me semble. Maintenant, je sais pas où il est. C'est quoi de travaux, mais... Ah oui, non, d'accord, ok. Il est toujours de l'autre côté, j'ai l'impression. C'est mon grand. Il va nous aider. Voilà. Les petits lambas là, bon, ça va. Il reste quand même intéressant. Il reste tout de même intéressant. Et... voilà.
La limite de camp est faite. On peut faire du coup 3 camps. On est level max sur les niveaux du camp. Ah, c'est fait. Donc là, en fait, il nous demande de continuer à faire des... Ah, ce serait pas... inintéressant. On resterait à 15. Le nombre de pales ne bouge pas. Par contre, il y a peut-être le nombre de camps qui risque encore d'augmenter, peut-être. Je sais pas, on verra. Ah, il y a moyen. Faudrait qu'on voit ça. En tout cas, le camp est fait niveau 15. Plan belle, parfait, mais on l'a déjà. On a déjà fait au complet. Ah, ça par contre, c'est cool. Un pal que je n'avais pas encore en 10. Oh, première capture. Ça, c'est incroyable. Magnifique, j'adore. Bon, il y a des petites choses que je vais récupérer par-ci, par-là, que je vais commencer à les mettre dans l'autre base. Parce que là, on va commencer enfin à s'établir de l'autre côté. Il le faut. Sauf que là, pour le moment, bien sûr, je vais quand même continuer au moins à utiliser les petites ressources que j'ai par-ci par-là. Mais voilà, dans le fond, on va commencer à faire en sorte de se mettre très très bien d'un côté. Pouvoir continuer notre petite aventure sans trop de soucis. Voilà. Donc là les amis, on est niveau 15 au niveau du camp, c'est cool. Il nous reste en plus 5 niveaux à faire aussi. 5 niveaux qui vont pas être forcément les plus simples, mais on y arrivera. Ouais, je peux pas, c'est vrai. Mon inventaire est complet. D'ailleurs, on pourrait utiliser textile pour faire d'autres petites choses par-ci, par-là. Bon bah on se retrouvera une fois que j'aurai des petites choses comme si pas un passé par là à accomplir comme toujours. Alors les amis, là je vous reprends, je vais essayer de voir si le glitch fonctionne toujours. Je crois que non. Je crois que j'avais cru comprendre que normalement on pouvait glitch pour récupérer un pal. Et je crois que c'est mort. Hein. Là je me fais attaquer, ce que je vais bientôt faire c'est aller du coup rattaquer un petit boss, hein. Bien sûr. Faut juste que je retrouve où est mon pet. Ah. C'est dommage qu'on peut pas chercher par... Ah si, ça marche. Ah vous voyez, le glitch a marché. En fait quand votre pal est KO, vous mettez votre pal... un pal directement dans l'équipe, vous reprenez, pouf, c'est bon. Pas glitch. On se calme par contre. Hein. Il nous fait quoi lui? Bien le cas. Je m'en mets à l'avoir lui. Non, faut que je l'affaiblisse encore. Mais pas mot. C'est jamais. Tu rigoles. Il faut que tu rentres dans la giga, sinon tu risques d'être KO. Rentre. Ok, lui est bon. Non. Allez. On rentre. On rentre. Fais pas le timide.
Et bon. Il y a quand même eu un. Eh, il nous en reste quand même plus que 3, hein. Donc là, on est sur le point de passer 46 via la technique, bien sûr, des boss. Hein. C'est ce que je vous disais, je vais l'utiliser. Là, d'ailleurs, mon équipe qui était très bas level, tout simplement, a monté de ouf. Cette technique est bien pour pouvoir faire monter vos pales directement le plus rapidement possible vers le niveau 50. Je dis pas niveau 50 direct, mais vers le niveau 50. Ah, punaise. Ah oui, d'accord. Hey. Non, ça marche pas. Okay. De toute façon, c'est pas grave puisque ça, je voulais récupérer la petite ferme. J'ai pas de chaos quand même. Ça va. Bon, ça va. Blessure grave par contre. Hein. Désolé, petit pal. Tu vas malheureusement être transformé. Ça, je te le dis. Tu risques d'être infusé dans un autre. C'est dommage. C'est comme ça. Donc la technique, hein, bien sûr, toujours aller au hameau. Mais sauf qu'on n'est pas obligé de mourir en fait. Moi je pensais qu'on devait forcément mourir, mais non. Je vous conseille l'arc, c'est plus rapide. On s'en moque des dégâts. Hop, on y va. Simplement vers le boss final. C'est lui qui va vous donner vraiment à mort. Pardon. J'ai pas la bonne tenue. Ah, le froid est vraiment glacial. Je vais mourir comme ça? Oh non. Vous déconnez. Ouais, je suis mort. What? J'ai pas compris là. Ouais, y a encore des petites choses que je dois apprendre. Hein. C'est pas grave. On va ressusciter au niveau du camp. Ah, j'aurais dû me reposer. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait. Je pensais que ça allait passer avec la tenue, mais non, la tenue passe pas. Il va falloir un tiers supérieur, quoi. Ah, punaise. Enfin, toi. Ah, j'ai pas de bois. Voilà. Ça suffit amplement. Il nous faut juste un petit toit. Allez. Ah, et ça va pas passer, bien sûr. Et là, maintenant, la température est bonne. Ok. Du coup, je suis un petit peu dans la sauce. Léger, hein. Pour rien. Je sais pas si je peux aller directement. Allez. On va essayer avec le Nightwing. Alors là par contre si je l'envoie comme ça c'est mort. Juste récupérer mon stuff. Ah c'est ça. Le froid est archi glacial la nuit. Ok. J'apprendrai encore une petite chose. C'est déjà ça. Donc à mon avis il faudrait du palladium mélangé au métal quoi. L'arbalète empoisonnée? Pourquoi j'ai pris celle-là? Non. Allez. C'est parti. C'est maintenant. Bah, je voulais voir pour passer le 46 avec vous et ça commence déjà sur un énorme veil. Mais bon, après, je ne savais pas que le froid allait être complètement glacial. Je pensais que ça passait. Ah non,
malheureusement. Quelle protection est cassée? Ah oui, c'est la tête quand même, ça peut être... Ça peut craindre un peu, hein, on verra. Allez, c'est parti. Donc comme toujours, hein. Moi ce que je vous conseille c'est prendre la monture. Waouh, oui d'accord. Bah la monture quand on peut, hein, bien sûr. Oh, je me suis fait déglinguer encore, hein, c'est horrible, mon Nightwing. Il a pas kiffé là. Est-ce qu'il va se faire attaquer là maintenant ou pas? Il vient quand même de mettre un gros coup à un mob, non? Oh là là. Ok, c'est bon. Faut juste que je meurs pas maintenant. C'est autre chose, ça. Aïe. Aïe. Ah, super. Ok, c'est bon. Ça passe. Voilà, on est 46. C'est simple, c'est celui qui vous donnera le plus d'XP. Hein, donc n'hésitez clairement pas à le faire. Abusez tant qu'il y en est encore temps. Hein. Moi, je le cache pas. Hein. Donc le 46, ça y est, il est passé. Et en fait, faut juste quitter. Et relancer. Et en fait, on va juste se retrouver devant la base. Enfin, pas devant la base, devant la tour, pardon. Du syndicat. Donc en l'occurrence, là, celle du boss final. Voilà, donc le 46, c'est fait. Et donc du coup, là, on va commencer seulement à voir... Il va falloir une chaîne de production 2. Donc là, je dois faire du métal raffiné, et là, en fait, les lingots de aluminium, ça va être du coup du raffiné. Avec des éclats de palladium. Donc c'est un stuff que on va pas pouvoir faire tout de suite, hein, pas dans l'immédiat, mais on va essayer de le faire le plus tôt possible. Donc je remontre aussi au cas où le petit glitch avec le pal. Comme ça au moins ça vous évite de faire les 10 minutes. Ça c'est toujours valable, hein, du coup. C'est une chose que je viens d'apprendre il n'y a pas longtemps. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous faire une petite raise gratuite. La petite raise gratuite qui fait plaisir, bien sûr. Donc, je rappelle, on fait pâle. On relâche. Il est plus là. Vous allez dans votre petite boîte à pales. Vous allez choper n'importe lequel. On va même mettre un petit mouton là. Parfait. Avec. Hop. Soigné. Ça évite de faire les 10 minutes. C'est quand même incroyable. Je sais pas comment les gens ont pu trouver directement ce genre de glitch, mais fortement agréable. Merci à eux. Donc les amis, voilà, ça y est, on a passé le 46. Comme je vous ai dit, là, le paluminium, ça va être intéressant à faire, mais c'est pas pour maintenant, parce que là, il y a du farming de ouf dans la chaîne de production. Il y a aussi circuits imprimés. Les circuits imprimés, j'étais en cours de production. Donc je pense qu'on se retrouvera une fois que je commence à me mettre plutôt bien sur tout ça. Pour la fièvre, pour le pâle, il sera infusé au pire, puis c'est tout. Hein. On s'en moque, hein. C'est pas très très grave. Et du coup, on montera comme ça les boss. C'est pour ça que je vais utiliser la technique jusqu'à temps de pouvoir monter au 4 étoiles. Pareil pour les autres boss. Tant que je peux profiter du bug, je vais en profiter à mort. Donc sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures sur Palworld. En espérant que ça vous plaît quand même, malgré que là c'est clair que c'est du use bug. Hein. C'est du glitch, comme il faut. Mais écoutez. Après tout...
on fait juste que profiter pour pouvoir XP plus vite. Parce que j'avoue que les mobs, ça donne plus tant que ça en fait. Ça demanderait beaucoup, beaucoup de captures. Après, je peux toujours essayer d'aller choper les dinos sommes, bien sûr. Mais ça va pas faire beaucoup, hein. Donc, je vous dis à très bientôt, les amis, pour de prochaines aventures. Et salut à tous!